moment que vous attendiez, je pense qu'on peut le dire en toute humilité depuis un an, parce que Jean, bonsoir. Bonsoir. Ton passage l'année passée à l'émission a beaucoup fait jaser. Ah oui, ça faisait jaser beaucoup, hein? 145 000 personnes l'ont vu sur YouTube après... C'est quand même impressionnant, ça. Oui, c'est impressionnant. Moi, je ne l'ai pas vu. Est-ce que tu l'as vu? Tu l'as vu sur place, évidemment. Mais quand je le fais, je ne le regarde pas après, là. L'entrevue, c'était vraiment... Tu étais dans une énergie totalement particulière. Et là, cette année, une toute autre énergie. Ah ouais? OK. Avec des critiques excellentes partout où tu passes. Les gens n'arrêtent pas de dire comment tu es en pleine forme, comment tu es euphorique. Je peux te demander comment tu vas? Ça va. Ça va bien. Oui, écrive... Ah oui, j'étais si étrange que ça. Je pense que c'est juste qu'on n'est pas habitué à la télévision de voir de l'originalité puis un peu de marginalité. C'était pas si étrange que ça. Non. C'était plutôt agréable. Moi, j'en garde un excellent souvenir. Ouais, c'est sûr, j'ai eu du fun. Mais c'est sûr que c'était comme on avait des personnages. C'était ça, hein? Oui. C'est celle-là qui se passe. Ah, vous étiez des personnages. Il y avait des personnages. il y avait un copain qui faisait. Leon Fong, qui faisait le garde du corps. Fait qu'on avait tous des personnages comme ça. Puis peut-être qu'on était un peu opaque, par contre. On était un peu opaque. Mais l'énergie était bonne. Mais c'est ça. Et c'était un moment de télé. Mais c'est vrai que de ce temps-ci, je suis plutôt summer. T'es plutôt summer. Ouais, t'es moins opaque, t'es plus diaphane. Ouais, c'est ça, je me suis mis à la planche à voile, je me suis mis à le truc, là, tu vois, les machins. J'arrête pas d'avoir des accessoires sur les pieds, puis d'être dans l'eau, puis de boire du Pepsi. OK, le secret est dans le Pepsi. Quel genre d'année est-ce que tu as passé pour être aussi en forme maintenant, pour que ça aille aussi bien? On a fait des shows pas mal avec Virginia puis Mathieu, où on avait monté un disque ensemble, puis on faisait des shows ensemble. Donc on a fait pas mal de shows comme ça, puis c'était comme un côté assez rock trash, tout ça. Puis là, à un moment, j'étais bien fatigué, puis tout ça, on a pris un break, puis là, je suis relax. Puis là, j'ai dit, OK, cet été, on fait des festivals. Parce que ça me tentait de jouer dehors, puis j'ai fait... ça fait très longtemps que j'en ai fait. Puis au Québec, je trouve vraiment que c'est ce qui est à peu près le plus agréable, d'aller dehors pendant que les gens sont l'été, pas dans les bureaux, pas renfermés, pas d'hiver. Puis c'est là, je pense, que les gens ici ont le plus de fun. Fait qu'il y a plein de jeunes au show, tout ça. Puis là, j'ai fait, je vais leur faire mes tunes préférées, qui sont en général celles que les gens préfèrent aussi. Puis j'en ai pris à peu près 25 sur 25 ans. Ça fait 25 ans que je fais ça, plus que ça. Ça fait 30 ans que tu fais ça. Ouais, 30 ans que je fais ça. Puis non, plus que ça, ça fait 40 ans que je fais ça, parce que j'ai commencé à 11 ans. Ah! Ouais. À Granby, ton premier concours Granby, ça c'était à 30 ans. À 11 ans, j'ai commencé à jouer de la guitare puis à chanter des Beatles, tout ça. Fait que ça fait, moi, ça fait que... Mais que le monde me voit à la TV puis des trucs comme ça, je pense que ça fait 25, 27 ans, quelque chose comme ça. Puis donc, j'ai composé énormément pendant ce temps-là. J'ai jeté beaucoup de tunes à la poubelle. J'en ai mis beaucoup dans des disques. Puis là, je pogne à peu près chaque disque. Puis je dis, OK, celle-là, 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 celle-là. Puis c'est en général les tunes préférées des gens. Puis j'ai monté un show. Puis il y a beaucoup de variété. Puis c'est plaisant parce que tout le monde se retrouve. C'est plaisant à faire. C'est récital. J'ai décidé d'être classique. C'est comme best-of. Ah oui, on a vu ça. On a vu ça, c'est très classique. C'est best-of. Tu sais, c'est comme genre... Mais c'est une réconciliation avec tes anciennes chansons? Parce qu'à un moment donné... T'avais comme plus de plaisir à en faire ou tu voulais plus faire tes. Bien, c'est-à-dire, tu peux pas tout le temps faire ça, là. Dire tu chantes toujours. Tu sais, fait que souvent, je pars, je compose un nouveau disque, je compose une nouvelle chanson, puis à un moment donné, je suis dans un mood, fait que là, je compose, je vais faire un show en fonction de ça. Puis là, on roule. Fait que tu peux pas tout le temps dire OK, parfait, je vais faire telle tune, toujours les mêmes tunes. Mais à un moment donné, tu pognes sur 25 ans, là, t'as un paquet de chansons, là, des nouvelles que les gens connaissent par cœur aussi. Puis là, tu dis OK, je me fais un récital. En fait, je voulais être classique. T'sais. Je voulais. J'ai envie d'être comme classique. Comme de ce sens-ci, j'ai envie d'être classique. OK. Ça veut dire quoi, classique? Ça veut dire... Classique, c'est que t'arrives, puis tu fais bonjour, bonjour, ça va, puis là, tu... Puis tu fais un récital. C'est-à-dire, au lieu de faire un nouveau show, puis là, tu sais, que le monde dise ah oui, j'aime ça, d'autres qui disent j'aime pas ça, tu fais comme voilà les chansons, tlala. Moi, je suis un compositeur de chansons, puis j'ai traversé les âges, et puis voilà, tout et tout, là. Puis tu sais, comme t'es rendu classique. T'es comme un monsieur. Ah, t'es comme un monsieur? Ouais! Mais tu sais qu'on pourra jamais te voir comme un monsieur. Ouais. Non, je travaille là-dessus, ça va marcher. Là. Non. Découragez-moi pas, là. Découragez-moi pas, là.
Tu as dit récemment plusieurs choses qui m'ont vraiment touchée. Une des choses que tu as dites, c'est que tu pensais jamais te rendre à ton âge. Ça, c'est vrai que je n'avais pas pensé. Et c'est comment être à ton âge? Est-ce que c'est quelque chose que tu apprécies? Ça fait rien. Ça fait rien? Ça fait rien en tout. Ça, rien en tout. C'est juste que, bon, il y a eu quelques accidents. J'ai eu mal à deux, trois places parce que ça a poqué. J'ai eu, tu sais, par exemple, les doigts, ils sont cassés parce que je les ai pognés dans une échelle. Fait qu'ils sont pétés. Fait qu'ils sont pliés. T'as des affaires. J'ai tombé sur le dos, ça a fessé. Puis j'ai trois, quatre affaires. Tu sais, t'as des endroits. Fait qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit, si t'as 80 ans puis tu te réveilles puis t'as mal nulle part, c'est que t'es mort. Fait que... C'est des pocs. C'est comme un char. T'as juste des pocs. Mais à part ça, tu roules, tu sais. J'ai pas vu de différence. Je vois rien, tu sais. Il y a autre chose que t'as dit qui m'a vraiment touchée, puis on va se laisser là-dessus. C'est... Rosie, ça, c'est vraiment... Toi, t'aimes les chiens, là. C'était l'amour pendant la pause entre toi puis Rosie, là. Non, on s'entend bien. Alors, t'as dit... À Laval, t'as dit ça sur scène récemment. T'as dit que sous tes allures de brute, t'es un romantique et que derrière ta guitare de métal se cache un être fragile et tremblotant qui a peur de tout. C'est vrai, effectivement. Puis derrière ses bottes magnifiques de cuir italienne se cache un petit orteil qui tremble de peur constamment. Puis qui est sensible et souffrant. Puis qui est touchant. Jean, ça a été un véritable plaisir de t'avoir. On aimerait ça le voir, on dirait, sur cet orteil-là. On fait ça pendant la pause. Oh, Jean, mon couleur! Il est timide! Jean, il est timide! Jean, il est timide!